Alors, il y a 300 étudiants, 300 délégués étudiants qui sont réunis à Marrakech pour le World Summit. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'essentiel de cette rencontre et les objectifs? Je me présente, je suis Amata Tiassine, président World Merit Marrakech, qui fait partie de l'association World Merit International. Aujourd'hui, à Marrakech, compte la participation de plusieurs participants qui sont venus des quatre coins du monde pour assister au premier sommet des associations World Merit International. Le premier sommet qui va se passer durant ces 4 jours à Marrakech. Donc, le but de ce sommet, c'est de réunir toutes les associations afin de discuter les objectifs du développement durable et de penser à l'avenir de notre planète et de traiter tous les plans d'action possibles afin de les réaliser durant l'année suivante. Donc, notre sommet va se passer sur 4 jours. Et il va traiter plusieurs projets, les projets qui traitent l'objectif de développement durable. Et voilà. Et comment ça, le déroulé de ces 4 jours? Comment? Le déroulé de ces 4 jours, qu'est-ce qu'il y aura pendant ces 4 jours? Le déroulement de ces 4 jours va se passer suivant des workshops et des conférences et des plénières. Durant ces 4 jours, on va avoir des workshops, conférences et plénières. Et si vous pouvez me donner un exemple concret sur des projets liés au développement durable que vous comptez développer au Maroc. D'accord. Une caravane qui va s'occuper des zones rurales, dénicher les besoins des zones durables et essayer de les avoir par la suite. La réalisation ou plutôt l'implémentation des poubelles à tri au sein des universités, de l'université Qadi Ayad, l'amélioration et le développement personnel des étudiants de l'université Qadi Ayad, améliorer leurs soft skills, parce que déjà la mission et la vision de l'association World Merit, c'est de soutenir notre jeunesse d'offrir à chacun la possibilité de pouvoir réaliser son rêve et changer le monde à la fin. Voilà. Et c'est une association qui existe depuis quand? Une association qui existe depuis 2012. Au Maroc? Non, pas au Maroc, depuis 2012 à l'international. Au Maroc, c'est à peu près 1 an et demi à 2 ans. D'accord, merci beaucoup.